Bonjour à toutes et c'est Skyverse, j'espère que vous allez tout bien aujourd'hui. On se retrouve pour un cinquième épisode de La Quête de Sagwan, la fête de la lune. C'est une belle soirée pour la fête de la lune. Le crieur public termine son travail avant les célébrations. En fuyant, elles ont perdu leur décoration pour la fête de la lune. Viens nous aider à retrouver la nourriture et les décorations qui manquent. On espère que ça botte pas. Ok. Tata et ses filles ont perdu leur décoration pour que tu pourrais les retrouver dans le jardin. Dans le jardin, tu sais. D'où venait cette angoisse? C'est un rat qui a fait Tata et ses filles, maman. Elles ont perdu leur décoration pour faire le monde. J'essaie de les retrouver. Tu sais. Tu devrais peut-être aller voir du côté du ponton, j'ai entendu une. Ça devrait aller faire un petit tour sur le ponton Savoie. On a fait flotter des lanternes sur lui. C'est de toute beauté. Des lanternes qui flottent toutes seules. Ce sont peut-être celles des filles du magistrat. La famille dit, c'est mon ponton du jeu. Parce que tous ces papatifs à l'eau, plus le gâteau, plus le fruit, comment fêter la fête de la lune avec cette condition. Il faut absolument que je le rattrape. Regarde sa voix à retrouver mon lanterne. Merci sa voix. On va enfin pouvoir éclairer les jardins et rendre hommage à la lune. Bon voilà pour le jardin des parents. Il nous reste la note à décorer. C'est bon, je récupère mon lanterne. On voit sa voix pour les lanternes. Il me semble avoir retrouvé tes amis les souris là-bas en bas du jardin. Tu penserais passer pour un autre aide à chercher. Salut, ça va, les sources ne se sont-elles pas calmées à l'intérieur du palais? Oui, mais Tété a perdu ses déclarations. Tété, elle est passée dans le jardin en courant tout à l'heure. On s'est caché, mais je sais ça. Tété, il faut vraiment que je. Le lapin de jade. Ça me dit quelque chose, ça, le lapin de jade. Ok, ben en fond, c'est ça, ça. Avec ça. Et ça. Thank you.
Lyon, encore avait-il une tête de cheval, des pattes de cochon. Ça y est, j'ai la peine de Jeanne, il me faut maintenant le portrait de la dame de Lune. J'ai vu Dédé avec ce drôle de la peine dans les mains tout à l'heure, elle est repartie encore avant de parler pour ma maman dans sa chambre. Ok, il faut qu'on monte à l'étage. Si elle a retrouvé la lapine, sa gouverne, je me rappelle de quelque chose, je sais, je l'ai vu sur le portail de ce gouverne. Oui, un portail, c'est peut-être celui de Tété. C'est tout, ou est-ce quoi? À notre maison dans le bureau de Mastra. C'est vu comme le dessin pour ça, ouais. C'est un portail d'un an. Il faut absolument que je rapporte à Tété, tu sais où elle est? J'ai attendu juste à côté dans sa chambre, une nouvelle actrice. Oh, merci Zagwe, il ne reste plus qu'à attendre le retour du magistrat pour commencer la fête. Il est parti à l'île de Setu rendre hommage à son ancêtre. Pourrais-tu prévenir quand on t'a... Voilà, faut que j'aille à l'île de statue. Oui, et elle attend le retour du marché, je vais aller chercher une c'est bien sur ta part, mais n'oublie pas de passer par un couloir extérieur. Je pense que dans le même t'as vu. Le marché n'est toujours pas de retour sur, de l'île de la statue, il faudrait bien que quelqu'un l'ait le premier. C'est quoi, j'ai vu le cuisinier de sa maison, il est découragé, le repas de fête de lune est perdu. Je sais l'angoisse, je ne l'oublie pas, il faut que j'aille à sa chose sur le masque, mais j'en vais continuer vers l'important, moi je vais poursuivre les recherches pendant ton absence pour peut-être trouver des traces de ce méchant. C'est loin du palais, c'est quoi? Oui, Nané, je dois aller chercher le magistrat de la statue. L'île n'est pas très loin, continue ton chemin. Toute seule, c'est temps, c'est quoi? Tété m'a demandé de chercher le magistrat là-bas. Monte. Ça quoi? Je n'ai pas vu le temps passer, il faut vite que je rentre pour faire la fête de la lune. Mais gâteaux, j'ai oublié d'aller chercher les nouveaux gâteaux de lune que j'avais commandé au village. Pourrais-tu y aller pour moi, ça quoi? Donne un petit message au marchand du village et rapporte les gâteaux cuisinés. Putain, il faut qu'on ait plein d'affaires. On prend le bateau, ça va aller plus vite.
satisfaite de parler hors des mondes de nuit. J'ai une course à faire pour me chanter. Une personne ne laisse pas, mais je vais pouvoir y aller en premier pour me contenter d'eux. Bon, son cerveau, ce n'est pas vraiment bon pour se parler en tout palais. Oui, j'essaye. Mais c'est une urgence. Le magistrat m'a demandé d'aller chercher les gâteaux de Daniel pour lui. Il n'y a plus personne dans les rues à cette heure-ci. C'est plutôt sur les berges de. Tout attendre la place en laine. Merci. Ok, donc les berges sont par là, je crois. Tu sais, j'attends du palais, Mousse, machin. C'est toi qui apporte le lit quand tout du palais, ouais, ça. C'est pas génial. Est-ce que tu cherchais à lui faire? On m'avait lu les fruits de ce palais. Je me demande. C'est, ils ont pas sur la plage. Ah. Ils ont pas sur la plage. Regarde, non, redescends vers le quai, je l'ai mis tout à la plage. On descend vers le quai. Alors, c'est quoi? J'ai des gâteaux ou des raisins, je cherche la pêche. Alors, il doit y en avoir un dans la cour juste à côté. Ok. Des petites pêches. On va les attraper. Je vais rapporter tout ça au cuisinier et maintenant. Ok. Allez, on va là. Le retour, oui, avec la gâteau des fruits, le cuisinier va être ensemble, j'aimerais ton putain. On va mettre en arrière. Ici. Allez. Ici. Ici.
Ça voit des gâteaux, des pêches et des raisins. C'est presque une fête de lune complète. Ce soir, on avait pleuré. Ça avait été parfait, sa voix, mais c'est donc que j'entends. J'ai trouvé des myrtes devant la remise. Des myrtes, c'est peut-être la pièce du rat. Et ça t'ensemble sur accepter. Peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose. Et ça t'accuse par la remise suivante. On a rien compris, c'est parce que c'est toujours là-dedans. Ok. Retrouver la dame de la lune et le lapin de jade juste à temps pour la fête. La famille du magistrat peut enfin goûter au petit gâteau de lune. C'est une nuit tellement belle et la lune est féerique. Je souhaite que toutes
les nuits soient aussi magiques que celles-ci. Cet épisode, on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles épisodes. Je vous remercie et à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne comme dit précédemment, et si tu veux regarder l'épisode suivant, tu as juste à cliquer sur le milieu. Non, enfin, le petit bouton là, tu vois là, le petit bouton milieu, c'est marqué épisode suivant, tu vois. Allez, des pouces bleus, bye bye, des bisous.